Bienvenue sur la chaîne Dylan Gaming. Aujourd'hui, je trouve pour une vidéo un peu spéciale puisque les serveurs de Clash Royale, plutôt de Goblinland, sont en maintenance. Donc, on se retrouve sur le vrai Clash Royale, comme vous l'avez vu. Je n'ai pas consommé tous mes gemmes. Et nous sommes. Voilà. Vous avez bien compris que vous étiez sur le vrai Clash Royale. Voilà. Donc, c'est pour dire que. Je suis donc chef de ce clan. Et j'aimerais signaler que voilà. Je vais me retirer finalement du jeu. Définitivement. Donc vous risquez sûrement plus de me voir sur Clash Royale. Pour des raisons. Que j'ai deux serveurs privés, que je m'amuse mieux sur les serveurs privés que sur les comptes que sur J'ai peur. tais-toi que sur la version normale. Donc c'est donc pour ça que j'ai dit à tout le clan qu'il allait avoir un nouveau chef. Donc voilà, je vais laisser un nouveau chef venir à ma place. Il s'appelle Evan Gaming, j'ai juste à le retrouver dans cette liste et s'il y a encore. Et moi, je n'ai vraiment plus rien à faire dans ce clan puisqu'il n'y est plus. Donc finalement, ce sera Volcanion 004 qui sera donc chef. Je préfère que ce soit lui, voilà. Evan Gaming est donc partie du clan. Je le promets. C'est dur de promettre quelqu'un chef, de donner son clan à quelqu'un que voilà, peut-être qu'il va être entre de bonnes mains, je l'espère en tout cas. Pour ma part, je quitte définitivement ce clan. Je n'y reviendrai plus. Je n'ai plus envie d'être dans ce clan. Je n'ai plus envie de jouer à Clash Royale normal. J'ai plutôt envie de jouer au serveur privé. Donc c'est donc pour ça que je quitte ce clan. Je ne vais pas vendre mon compte. Je vais le laisser, tout simplement. Même que le coffre de clan il est à 20h, je ne ferai pas ce coffre de clan. Voilà. Parce que je n'ai pas envie de ne pas le faire. J'ai pas envie de pas le faire. Et je ne le ferai pas. C'est tout, point barre. Je remercie. Tous les membres du clan qui ont été pendant des années avec moi, c'est vachement dur de se dire qu'un clan qu'on a créé voilà, 1 ou 2 ans, de le quitter maintenant, voilà, c'est vachement dur. Parce que, en plus, voilà, j'ai vraiment laissé ma trace là-dedans. Quand j'étais chef, à chaque fois on faisait les coffres de clan niveau 10. Chaque fois, tout le temps. Donc voilà, les gens savaient exactement ce qu'on cherchait à faire. Et donc c'est pour ça que je décide de quitter le clan maintenant, tout de suite. Je ne serai plus dans le clan Clash Royale. Dans ce clan, je le quitte définitivement. J'espère que qu'il en prendra de bonnes mains. Je quitte le clan. Je ne vais plus dans ce clan. J'ouvre les dernier coffre de ce compte. Voilà. J'en ai même plus rien à faire qu'il y ait une légendaire, puisque ce compte sera abandonné. Voilà, donc pour ceux qui voudraient le pirater, allez-y. N'y a pas de problème. Voilà, mousquetaire. Gang de gobelins, voilà, voilà quoi. Vous avez des bonnes cartes.
Maintenant, ce n'est plus le cas. Voilà, donc je quitte le clan définitivement en laissant Volcanion gérer ce clan, un clan que j'ai créé il y a 2 ans et dont j'ai laissé ma trace. J'espère que tous les membres du clan qui étaient là quand c'était ma génération se rappelleront de moi, surtout de ce que j'ai fait pour essayer d'aller pousser au max. J'ai vraiment poussé. Je les ai vraiment poussés au max, voilà, donc ils veulent même que je revienne. Voilà, c'est. Voilà. Ciao. Bye bye les amis, même si c'est très dur de faire ce que j'ai fait.